Donc, on a vu les automates magiques, super magiques. J'essaie d'introduire un vocabulaire un peu qui rende les choses agréables. L'automate magique, qui s'appelle l'automate LR0. Hein, parce que mon collègue m'a dit, oui, le prof, il fait des choses magiques. Et je l'ai dit déjà, mais je le répète là. C'est l'automate LR0. Le 0,10. On va voir bientôt. Aujourd'hui, on va voir l'automate à l'air de 1. Automate à l'air de 1 qui utilise le caractère de retour, le caractère d'avance ou de retour le plus possible. Mais avant ça, on va voir comment il fonctionne cet automate LR0 en mode reconnaissance. On a vu mes étudiants du groupe 1, du groupe 3 ont vu un exemple en TD, mais pas celui du groupe 2. Je n'avais pas eu le temps de le faire en cours, parce que j'ai pris un peu de retard, donc je vais le faire. Ça m'oblige à reconstruire tout, mais ce n'est pas grave. Je vais assez vite. Puis c'est bien, de toute façon, de faire deux fois. C'est bien pour vous de faire deux fois ces constructions, puisque elles sont tout de même un peu compliquées. Donc, je vais redessiner l'automate que j'ai dessiné la dernière fois. Ça va me prendre quelques minutes seulement. On avait considéré, donc, toujours une grammaire très simple. Je considère toujours les grammaires simples, parce que sinon, ça devient... Sinon, on se perd dans la complexité, d'accord? Ça mousse facilement ces trucs-là. Donc, on considère la grammaire la plus simple qu'on connaisse, c'est S plus A, S, B ou Epsilon. Elle est absolument géniale, cette grammaire. Et on rajoute quand même S' plus S dièse pour marquer la fin du mot. Vous avez compris que le dièse marque la fin du mot, puisqu'une fois qu'on l'a généré avec le nouvel axiome S', il n'y a plus de dièse, il n'y a plus jamais de dièse, il y a un nouvel axiome. Donc le langage qu'on génère avec ça, c'est l'ancien langage plus un dièse à la fin du mot. Donc quand on dessine cette grammaire, quand on dessine l'automate LR0 associé à cette grammaire, on commence par le premier état, on appelle souvent 0, et on commence par le premier item qui correspond donc à la règle qui réécrit l'axiome en mettant un point dessus. Le point marque en fait où est-ce qu'on en est dans la reconnaissance sur le haut de la pile du membre droit. Donc on voit Moi, tout j'ai de une suite que... question. Oui. À l'état zéro, on rebondit jamais. C'est le contraire. En général, c'est là où on rebondit le plus souvent, à tel point que souvent, en partiel, en examen, les étudiants pensent à rebondir à l'état zéro, mais pas aux autres, pas dans les autres. Ok, d'accord, j'étais pas sûr. Une Donc, à l'état zéro. erreur classique, hein, c'est une erreur classique. Souvent, à tel point dans mon barème, moi, je note, j'attribue spécifiquement des points pour l'état 0 et des points pour les autres états, parce que ça représente deux difficultés d'ordre différent. Une, c'est l'étudiant qui comment dire, n'a pas vraiment compris qu'il faut le faire tout le temps, et l'autre, il a compris qu'il faut le faire tout le temps, l'histoire du rebondissement. J'appelle ça rebondir parce que c'est imagé. En vrai, c'est une opération de clôture du même ordre que les clôtures dont on parle quand on... Clôture transitive. Du même ordre que quand on considère une dérivation, ça c'est... Et qu'on met une petite étoile. Ça veut dire qu'on considère une ou plusieurs dérivations, ou même zéro. C'est les clôtures transitives. Et là, c'est pareil, en fait, on considère toutes les façons possibles de générer des mots de pile. Ouais. Donc, on le fait une fois, mais on le fait autant de fois que c'est possible, c'est transitif. Donc, on rebondit sur le S, ça fait S flèche point ASB. C'est bien celle-là que j'ai considérée là. Et c'est tout, là, c'est fini. On ne rebondit plus puisque le point se trouve dans une petite lettre. Il faut que le point soit avant une grosse lettre. D'accord.
Alors après, pour faire les transitions, on regarde tout ce qu'il y a derrière le point. Là, j'ai un grand S et un grand A. Donc, j'aurai une transition par grand S, une transition par petit A. Excusez-moi, c'est un petit A. D'accord? Je vais te dessiner ça comme ça. Alors, la transition par petit A, ça va me donner l'état 1, qui est l'état succès, en fait. Non, c'est l'état 2, l'état succès. L'état 1 qui va être S' flèche S point dièse. Et cet état 2 qui est l'état succès. S' flèche S dièse point. On a reconnu. Si on arrive là, ça veut dire qu'on a reconnu le mot. Ensuite, ici, j'arrive à S flèche A point SB. Et là, je rebondis sur le S, parce que le point est avant le S. Donc, j'ai écrit toutes les règles qui commencent par S. Ah, excusez-moi, j'en ai oublié une là. C'est la fameuse epsilon. Faites gaffe avec l'epsilon. Hein. On écrit ça S point seulement parce que l'epsilon merge avec le point. On considère que dans ce point-là, c'est un caractère à comme les autres. D'accord, c'est-à-dire qu'on considère un nouvel alphabet avec qui est l'ancien alphabet, A, B, mais il y a aussi le point dedans. Quand on construit les étapes. C'est pour ça qu'en fait, on n'écrit pas point epsilon ou epsilon point. Ce serait un peu bizarre parce que l'epsilon, quand epsilon qu'on concatène epsilon, epsilon à notre mot, ben, il disparaît, l'epsilon, on n'écrit pas. D'accord. Sinon, il faudrait qu'on écrive partout. D'accord. Donc, on met juste S flèche point. Hein, ça, c'est quand même une difficulté à identifier. Hein, certaines années, je donne des exercices où il y a beaucoup de points, puis comme on n'a pas fait ça en TD trop, on fait ça juste en cours, ben, ça passe moyen, quoi. Donc, quand on rebondit sur S, on a S flèche point ASB et S flèche point. D'accord. Finalement, donc ça c'est l'état 3. Finalement, on peut lire le S. On arrive sur S flèche AS point B, état 4. On peut lire le B, on arrive sur S flèche A, S, B point. Et tous les états où il y a un point à la fin, on va pouvoir réduire. Donc celui-là, on peut réduire. D'accord. Celui-là, on peut réduire. Là, on peut réduire. Parce qu'il y a ça, d'accord. Toutes les états où il y a une flèche qui part avec un terminal, là, on peut lire. D'accord. Donc, celui-là, on peut lire. Je mets Shift. Shift A. Enfin, je ne vais pas mettre Shift A parce que quand on écrit. Ouais. Celui-là aussi, on peut lire Shift. D'accord. Bon, je vais mettre quand même le A. Donc là, on voit que là, il y a un conflit. Un conflit entre lecture et réduction. Conflit, lecture, réduction. Donc, il va falloir le résoudre et. Donc, on a vu en TD comment est-ce qu'on le résolvait. Il faut voir qu'on le résout parce que quand on applique une réduction, alors ça, je vais l'écrire en toutes lettres parce que je ne l'ai pas dit clairement la semaine dernière. D'accord. La résolution des conflits SLR de 1. C'est un thème plus compliqué. Donc, je vais faire un petit paragraphe là-dessus parce que je l'ai dit, mais un peu vite, puis comme c'est un truc qui est vraiment. Rapporte des points à l'examen, je souhaite que vous l'ayez bien compris. Donc, l'étape 1 de résolution, c'est l'étape qu'on fait nous, on ne va pas plus loin en vrai en examen. Résolution des conflits, la résolution
SLR de 1 déconstruit. C'est de constater que on réduit oui, c'est ça qu'il faut dire. La pile qui est à gauche plus mo qui est à droite, d'accord, égale étape de dérivation. D'accord. C'est toujours une étape de dérivation de la pile plus le mot en train d'être lu. Je fais une pause exprès, d'accord. On va le revoir. C'est-à-dire que quand je fais des analyses, j'ai une colonne pile et une colonne mot, d'accord. Alors, je commence par. Je vais placer là plutôt ce que j'ai fait. J'ai une colonne pile et une colonne mot. Je peux le mettre là. La pile à gauche, le mot à droite, d'accord. Et par exemple, je vais reconnaître AABB. Au début, je vais mettre les A sur la pile, d'accord. Après, je vais réduire. Après, je vais mettre l'autre A, etc. Et j'aurai plus que ABB, BB. Et en fait, si je prends la pile plus le mot. C'est une étape de dérivation. En l'occurrence, là, c'est juste le mot lui-même. Hein. Mais après, quand je vais. Enfin bon, vous allez constater que c'est vrai, ça. Il suffit de le retenir. On le retient pour l'instant bêtement et on le constatera ensuite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on garde ça à l'esprit, pile plus mot égale étape de dérivation, on se rencontre. Alors, je vais écrire ici, par exemple, ASB. D'accord? Sur la pile, imaginez, j'ai ASB, gamma 0, ASB. D'accord? Et puis, j'ai encore DB à lire. Eh bien, on remarque que il faut que je réduise par S slash ASB. J'ai ASB sur la pile. Je reconnais un membre droit, je dois réduire. Mais on remarque que. Quand on va réduire, on va remplacer ASB par S, d'accord, sur la pile. On va dépiler le membre droit, empiler le membre gauche, d'accord. Donc, si j'applique la réduction, l'action de réduire S flash ASB, je me retrouve avec S sur la pile. Il y a toujours le mot qui suit, le mot en train d'être lu, d'accord. Et je constate que la prochaine lettre du mot à lire, B, va suivre S. Puisque SBB est une étape de dérivation, ça veut dire que B appartient à un suivant de S. Puisque SBB est une étape de dérivation, ça veut dire que j'ai quelque part S' SBB, d'accord. En plusieurs dérivations, je parlais de l'axiome vers SBB, ça veut dire que B appartient à suivant de S. S il est là, B il le suit. B appartient à suivant de S. J'insiste lourdement pour que vous compreniez bien le raisonnement qui est assez simple. D'accord, il est suffisamment simple pour que je puisse l'expliquer même sur Zoom. Vous arriviez à le suivre. Monsieur? Oui. Juste une question. Normalement, depuis l'état 3, on doit refaire une transition par A, non? Ou pas du tout? Oui, je l'ai oublié. Ok, c'est juste pour savoir. Oui, merci de me corriger. C'est une boucle, en fait. Parce que je vais réécrire le même état que j'ai étudié. Hein. Il me semble bien que j'ai oublié un truc. Merci. Alors, il y en a un qui fait un petit bruit de fond. C'est peut-être de WAM, ça. On dirait un bruit de chasse d'eau. Ouais, merci. Non, mais vous prenez le micro quand vous voulez parler. C'est mieux, peut-être, parce que sinon, ça dérange un peu les autres. Vous laissez votre micro allumé, ça ne dérange pas du tout s'il n'y a pas de bruit de fond. S'il y en a un, par contre, comme celui qu'il y avait juste avant, c'est mieux de couper quand même. Mais n'hésitez pas à le remettre. OK, donc ce que j'ai bien essayé de citer, c'est que lorsqu'on réduit par. Si on réduit par.
Si on réduit par S flèche ASB, d'accord, alors on constate que prochaine lettre, caractère d'avance, je vais appeler ça caractère d'avance, il faut que je regarde les notations correctes. Je vais l'appeler caractère d'avance. Caractère, le prochain caractère à lire, le caractère d'avance, d'accord, appartient à suivant de S. D'accord? Ça implique. Bien, comme on sait ça, on va pouvoir écrire une table avec résoudre le conflit. D'accord? Parce que suivant de S, c'est égal ici à B. D'accord? Cette grammaire-là, suivant de S, c'est égal à B. Donc, on va réduire seulement. On a aussi dièse aussi, monsieur. Oui, excusez-moi. Oui. Putain, bon, vous êtes là pour me corriger. Voilà, je vous paye bientôt, monsieur Mzala. Voilà, donc on va construire une table. La table qu'on appelle la table de l'automate. Qui décrit l'automate SLR de 1. D'accord? Cette table-là, avant, je vous demandais de l'écrire en examen, mais j'ai arrêté parce qu'elle est super longue à écrire. Maintenant, je ne vous demande d'écrire que la ligne qui est intéressante. D'accord? La ligne qui est intéressante, c'est la ligne où il y a conflit, pour montrer que les conflits sont résolus. Donc, avant d'écrire la table SLR de 1, on peut écrire la table LR0 pour bien voir la différence. Alors, cette table, qu'est-ce qu'elle montre? Elle dessine l'automate sous forme de table. C'est tout ce qu'elle fait, en fait, hein. Et donc, pour ça, on a en abscisse les caractères. Et en ordonnée, les états. D'accord? Donc, on commence par. Quand même, il faut que je vous dise. Il faut que je vous explique cette table. Je ne l'ai pas fait aussi le cours d'avant. C'était un peu une erreur. Donc, il y a deux parties. C'est pour ça qu'on a une double barre ici pour désigner pour bien repérer les deux parties de cette table. D'accord? Dans la première partie, on met les minuscules, les caractères minuscules, donc dièse AB. Et dans la partie droite, on met les majuscules, c'est juste S, il y en a juste un seul, c'est S. S', on ne considère pas parce qu'il n'est jamais transitionné. Il n'y a pas de transition S' là-dedans, là. Alors, il y a juste S. Et on va remplir ça avec. On va recoder, c'est en fait un recodage. Alors, attendez, j'ai perdu le. On va recoder notre automate qui est là. Donc, de l'état 0, alors je mets l'état 0 ici. Que se passe-t-il? En lisant S, on peut aller dans l'état 1. Donc, je mets l'état 1 ici. D'accord? On appelle ça la partie go-to. C'est la partie qui est utilisée quand on fait des réductions. C'est la partie qui est utilisée quand on fait des réductions. Cette partie-là, d'accord? La partie droite avec les majuscules. À gauche, donc de l'état 0, en lisant S, je vais dans l'état 1. En lisant petit a, je vais dans l'état 3. Ça, je vais mettre ça ici. D'accord? Je mets l'état 3. Je peux écrire, pour bien enfoncer le clou que c'est une lecture, j'écris Shift A. Shift 3. Je ne mets pas A parce que A, c'est. Je vais écrire A ici, ça se lit dans la colonne. D'accord? J'ai besoin de savoir où est-ce que je vais, ça, dans l'état 3. Etc. De l'état 1 par dièse, je vais dans l'état succès. En fait, l'état 2 s'appelle l'état succès. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin là. Ça, c'est l'état succès. C'est l'état final. De l'état 3, je boucle sur l'état 3 en lisant un A.
Et je peux aussi aller dans l'état 4 avec le S. D'accord? Et de l'état 4, je suis mis dans le B, je vais dans l'état 5 que je n'ai pas numéroté. Voilà. Shift 5 sur le B. On ne voit pas ce que vous écrivez, monsieur. Pardon. Je crois que vous avez. Alors attends, je pique panier pour plus que mon écran disparaisse si quelqu'un parle. Alors, gallery view, spotlight vidéo. Ça va marcher, vous pouvez parler sans que l'écran disparaisse. Ok, donc on n'a pas fait grand-chose. Hein. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque dans ma table? Il y a les lectures, il manque les réductions. Voilà, j'ai, dans mon automate, j'ai une réduction là, une là, une là. Donc, je les mette. Et c'est là que je vais voir apparaître les conflits. Alors, il y a deux réductions qui ne posent pas de conflit, c'est l'état 5. Ah si, il y a un conflit aussi, parce qu'il y a lecture de... Ah, là, je ne l'avais pas mis. Là, il y a aussi un conflit. Attends. Shift A. D'accord. Donc, dans l'état 5, il n'y a pas de conflit. Donc, je peux écrire réduction. Mais je l'écris partout. C'est ça. Dans l'automate, dans la table LR0, je l'écris partout. Je l'écris ici. Parce que je ne considère pas le caractère de retour. Donc, je vais écrire ici... S flèche ASB, réduction S flèche ASB, réduction S flèche ASB. Ça ne se lit pas très bien, je m'excuse. J'ai écrit la même réduction dans toutes les colonnes parce qu'a priori, je ne considère pas le prochain caractère. Je le considère quand je lis, mais je le consomme quand je lis. Si je le considérais quand je fais une réduction, je ne le consommerais pas, juste j'irai le voir, d'accord? Mais je ne le fais pas dans l'automate LR0. Donc, je fais systématiquement cette action, quoi qu'il arrive. Alors là, j'arrive à l'écrire. Dans l'état 3, il faut que j'écrive aussi le même truc. D'accord? Donc, c'est réduction à H16 points. Donc là, de la même façon que j'ai écrit la réduction dans chaque colonne, il faut que je fasse pareil pour l'état 3 et l'état 0. D'accord? Il faut que j'écrive ici réduction. Je mets juste R, sinon je n'arrive pas. S flèche epsilon. R, S flèche epsilon. Et là, eh bien, j'ai le conflit qui débarque. D'accord? Je peux faire lecture de A, mais aussi je peux aussi faire R flush S flush epsilon. Réduction S flush epsilon. D'accord? Là aussi, j'ai le conflit qui débarque dans l'état 0. D'accord? J'ai la lecture et le conflit. Donc, une des raisons pour laquelle c'est, comment dire, pédagogique de dessiner cette table, c'est qu'il apparaît clairement, le conflit apparaît clairement. Pourquoi est-ce qu'il apparaît clairement? Eh bien, dans une case, on a toujours deux choix. On voit le non-déterminisme clairement, d'accord? Dans ces deux cases-là, si je suis dans l'état 0, que j'ai mon prochain caractère qui est un A, ah merde, j'ai deux possibilités. D'accord? Et pareil pour l'état 3. J'ai deux possibilités. Là, ça ne commence pas, il n'y a que là que ça commence. Parce que j'ai deux actions possibles. Là, elles apparaissent clairement. Enfin, ce qui apparaît clairement, plutôt, si on s'amuse à dessiner cette table, ce n'est pas pour dessiner l'automate LR0, ce n'est pas très intelligent, parce qu'on recopie la réduction à chaque fois. Non, c'est pour dessiner la table, c'est l'automate qui précise les choses. Alors, c'est pour dessiner l'automate SLR de 1. Donc, maintenant, je vais dessiner l'automate SLR de 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je calcule les suivants que j'ai fait. J'ai prouvé grâce à M. Amusin que les suivants, c'était B dièse. Donc, je laisse la réduction juste dans ces cases-là. Je vais l'enlever ici, parce que le suivant, c'est A. Je vais l'enlever ici, parce que le suivant, c'est A. Je la laisse juste là et là. D'accord? Parce que là, c'est dièse et là, c'est B. Et donc, c'est possible. D'accord? Et puis, là aussi, je vais l'enlever. Là, ça ne dérange pas, mais bon, je l'enlève quand même, puisque sinon, je... J'ai pas une table à salaire de 1. Et voilà. Donc, vous voyez bien qu'en considérant le caractère suivant, ça résout le conflit. Je l'avais fait la dernière fois, mais je l'avais fait un peu vite, un peu speedé. J'ai voulu le refaire cette fois-là pour tranquilliser l'ensemble des étudiants. Je
pense que vous avez bien compris. Et maintenant que j'ai ma table, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire tourner. Monsieur? Oui. Et la partie de droite, elle sert à quoi? Alors, vous voyez, monsieur Hamzin, je l'ai dit deux fois, mais c'est bien que vous posiez la question parce que je sais que c'est un truc qui a du mal à entrer. Ça sert à, je vais l'écrire, ça sert à faire, ça sert au moment des réductions. Sert au moment de réduction. Pour savoir où on va. D'accord. Pour indique dans quel état on va. Indique où, dans quel état. Dans quel état on va. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Merde. Il y a quelque chose de magique. Mais déjà, sachez. Alors, vous venez, avant, mais c'est ça, on a l'exemple, mais parce que oui. Parce que au moment des réductions, en fait, ce qui va déterminer dans quel état vous allez, c'est la pile. La pile va vous indiquer dans quel état on y va. Alors, ça, pour bien prendre conscience de ça, il faut faire un exemple que je n'ai pas eu le temps de faire l'année dernière, donc je vais le faire maintenant. Je vais vous montrer comment on utilise cette tomate. Vous comprenez bien qu'on se fait chier à dessiner la tomate, si on ne l'utilise pas, c'est presque ridicule, d'accord? Donc, il faut savoir l'utiliser, oui? S'il vous plaît, je n'ai pas très bien compris. Lorsque vous calculez le suivant, est-ce comment vous éliminez les conflits? En regardant le prochain caractère du mot. On est en train, quand on va, quand on fait une analyse, on a un mot qu'on analyse. On lit les lettres de gauche à droite. Oui. D'accord. Donc, au début, mettons, mon mot au début, c'est. Je vais effacer là parce que j'aurai plus de place. Au début, mon mot, c'est AABB. Dièse. D'accord. Quand je vais l'analyser, je lis les lettres une par une. Donc, je vais lire le A, je vais lire l'autre A, puis je vais lire le B. Mais je lis les lettres une par une. La prochaine lettre, c'est la prochaine lettre qu'il y a à lire. C'est cette lettre-là. Il y a bien une... Déjà, il faut comprendre le concept de prochaine lettre à lire. Vous avez compris ça, monsieur Comara? Oui. Bon. Ben, jusqu'à présent, ces lettres, on les lisait tranquillement, peinardement, une par une. Et là, on fait un truc nouveau, c'est qu'on va consulter. On ne la lit pas, on ne la consomme pas. On la regarde sans la consommer. Pour la connaître, pour l'utiliser, pour décider ce qu'on fait, si on réduit ou si on lit. Vous comprenez? Alors, si on lit, on va la lire. Et si on réduit, on ne va pas la lire, on va la laisser en place. Seulement, le fait de l'avoir consulté, ça nous permet de lever l'ambiguïté, le non-déterminisme qu'il y a. Vous voyez, en regardant cette lettre, si jamais c'est un A, on saura qu'on fait une lecture, on la consommera. Et si jamais c'est un B, on saura que c'est une réduction, on ne la consommera pas. On fera la réduction. Alors, M. Camara, ça va devenir clair quand je vais faire l'exécution. Donc, je vous suggère de me laisser faire l'exécution et je pense que vous allez comprendre. Si ce n'est pas le cas, vous me reposez la question après, d'accord? Donc, je vais exécuter l'automate. Est-ce que vous réalisez qu'on a fait l'automate, qu'on n'a pas encore exécuté? Tout ce qu'on a fait en cours, c'est de voir qu'en fait, le langage qui est reconnu, c'est le même que les mots de pile. On a énoncé un théorème qu'il utilise, sauf qu'on n'a pas démontré. Mais bon, on a écrit l'hypothèse qu'il faut démontrer, ce qui est le plus difficile. D'accord. Donc, on va faire une analyse. Et ça, c'est un truc que vous devez faire. Alors, l'analyse, en apparence, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça, en fait. Ça fait juste un peu peur, parce qu'il y a beaucoup de trucs à écrire. Donc, on a une colonne mot, une colonne pile. D'accord. Ben, la pile, elle commence avec le fond de pile, gamma 0, le mot, il termine par dièse. C'est des trucs qu'il faut bien photographier. Et puis, une fois qu'on les a photographiés, on n'a plus besoin d'y revenir. On démarre gamma 0, on écrit le mot à droite, la pile à gauche. Et au début, on fait des lectures. Pourquoi? Ah oui. En fait, on peut aussi empiler l'état où on se trouve. D'accord. On empile. Ou on empile l'état où on se trouve. On suppose qu'on le fait avant, c'est plus simple. Mmh.
Donc, gamma 0 sur la file AA, B dièse. Donc, gamma 0, Q0. On empile Q0 d'entrée de jeu. Donc, pour éviter de faire une autre ligne, je le mets d'entrée de jeu. Alors, gamma 0, Q0 sur la pile AA, B dièse, le mot à lire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? On fait un shift A. Oui. En fait, vous voyez pourquoi je pose la question? Je pose la question parce que pour que la classe comprenne que ce qu'on fait, pour savoir ce qu'on fait, je regarde dans mon automate, d'accord? Et je laisse des blancs exprès. Je suis en train d'exécuter mon automate, je consulte mon automate pour savoir ce que je fais, d'accord? Là, je regarde ta question à la pile, c'est Q0, je vais à mon automate à Q0. Qu'est-ce qu'il me dit mon automate à Q0? Il me dit... Alors, je vais à mon automate SLR de 1 en plus. C'est plutôt voir la table, d'accord? C'est cette table-là que je vais plutôt voir, en fait. Il me dit, t'es dans l'état 0, mon gars. C'est quoi ta prochaine lettre? Ah, c'est un A. Eh bien, tu fais un shift et tu vas dans l'état 3, d'accord? Ça se lit aussi ici, mais ça se lit mieux là, d'accord? Parce que là, vous avez d'accord, vous avez un rayon laser qui est horizontal, un autre rayon laser vertical. C'est là où il se touche, en fait, que ça vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Ah, il faut faire une lecture, shift. Et puis, il faut aller dans l'état 3. Alors, je fais une lecture. Donc, il me dit shift. Je recopie l'action. Voilà, vous comprenez que là, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, maintenant, je suis devenu une machine. Je ne suis plus un être humain. Je procède de façon automatique. Je suis un robot. D'accord? Shift A, qu'est-ce que ça fait? Ça prend le A. Ça le met sur la pile. Mais qu'est-ce que ça fait d'autre, monsieur Comara, ce shift A? Je m'arrête là. J'interroge un peu. Ouais, je ne vais pas trop interroger les gens plus parce que j'ai quand même pas mal de cours à faire. Ça met aussi l'état. Q3. On empile les états. Mais pourquoi est-ce qu'on empile les états? Je vous suggère de me le dire au moment où on fait des réductions. Dans l'état Q3, je regarde ma table. Qu'est-ce que tu fais si tu as ta Q3, si tu as à lire? Ah, bah, tu fais encore un shift 3. Ok, bah, ok. Alors, comme j'ai lu un A, il me restait reste là. Comme je veux lire un O3, d'accord, là, je vais attaquer les B. Et je recopie à chaque fois. Gamma 0, Q0, A, Q3, A, Q3 encore. Donc, vous avez bien, photographié le fait que mes lettres sont prises en sandwich par des états. Une lettre, un état. Une lettre, un état. Une lettre, un état. Il y a une sandwich sur une. D'accord? Ça, c'est un gros Big Mac. On arrive sur... On arrive sur le B. Alors, je regarde ma table. Je suis dans l'état 3. Je mets mon rayon laser là. Cette fois-ci, il n'est plus sur A, il est sur B. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, je fais la réduction R, la réduction S plus epsilon. J'ai mal noté, c'est S plus epsilon, je voulais écrire là, d'accord? Réduction S plus epsilon. C'est ça que je voulais écrire, comme je suis un peu légèrement mongol sur les bords. J'ai écrit un truc qui ne fait pas de sens. M. Hamzen ne m'a pas corrigé. Bon, réduction asociale. OK. Alors là, regardez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que là, je dévoile la partie du truc qui est un peu la plus compliquée. D'accord, c'est là où je fais le rouge, là. D'accord, je vais faire un go-to. Hein, ça sert au moment où je fais des réductions. Qu'est-ce que je fais là? Une réduction. Eh bien, je vais utiliser cette partie-là de la table. D'accord. Je suis dans. Donc, comment je fais ma réduction? Je fais une réduction S plus epsilon. Donc, je note ça, réduction pour dire que je fais une réduction. Et puis après, je note la règle. Ça, c'est bien clair au moins, d'accord? Ah, je fais une réduction S plus epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dépile rien puisque normalement, c'est epsilon. Alors, c'est ça qui est un peu déphasant, c'est que. Ça, c'est la réduction la plus difficile à faire parce qu'elle est un peu sournoise. D'accord, parce que le membre droit, il n'est rien. C'est toujours compliqué, plus compliqué quand on a epsilon. Donc, je dépile que dalle.
Mais je remplis le membre gauche. Je n'ai plus que dalle parce que mon bras, c'est que dalle. Je remplis le membre gauche. Ça, c'est toujours. Donc, je dépile que dalle. Je recopie ce qu'il y avait avant parce que je dépile que dalle. D'accord? J'empile le membre gauche. OK. Où est-ce que je vais là, monsieur Hamza? Quel étage j'écris ici? On va à l'état Q4. Et comment vous l'avez su? Avec le en haut à droite, l'automate. Ouais, on va avec les tableaux. Oui, avec la partie droite. J'ai l'état 4. Ça se lit aussi, effectivement. Ici. D'accord. Ça se lit mieux là, parce que là, vous voyez. Mettez vos rayons laser, vous voyez qu'on va ici. Donc, il faut écrire ici Q4. Je le mets en rouge parce que c'est une difficulté, c'est la plus grosse difficulté. Mais vous voyez qu'en même temps, ce n'est pas non plus une difficulté surhumaine. Hein. C'est une difficulté. Ah, bon, bah, je suis dans Q4. Maintenant, dans Q4, j'ai un B, je fais un Shift 5. D'accord. Je suis dans l'état Q4. Je l'ai mal écrit celui-là, j'ai envie d'écrire là, d'accord. Il déborde un peu. Shift 5. Je vais dans l'état parage, je vais 5. OK. 5, il me dit, donc, c'est une lecture. Hop, PDS. Donc, j'écris l'action, Shift 5. J'empile le B, K0, Q0, A, Q3, A, Q3, S, Q4, B, et je vais dans Q5. Donc, je passe Q5. Donc, Q5, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il faut faire une réduction. Oui, je vais revenir à la question de M. Comara tout à l'heure. D'accord, Monsieur Comara, est-ce que vous souhaitez essayer de deviner qu'est-ce qui se passe là? Ou je vais le faire moi, je ne vais pas vous mettre dans le stress. Je sais quand la première fois qu'on le fait, il faut que je le fasse moi. Donc on fait une régression, puis cette fois-ci, ce n'est pas une régression S plus epsilon, c'est une régression S flèche ASB. Hein, c'est la règle qui est écrite avec le point au bout. Hein. On fait une régression, ce qui est le point tout au bout. Et pour savoir laquelle règle, on va regarder l'item. L'item va vous dire c'est quoi la règle. C'est S flèche ASB qu'on réduit. D'accord? Et on regarde sur la pile. Ah ben oui, j'ai ASB en haut de la pile. Je vais pouvoir le dépiler. ASB. Je le dépile. Je vire ASB. J'enlève tout ce gros ASB qui prend de la place. D'accord. Il me reste donc gamma 0, Q0, AQ3. Alors, une fois de plus, la même question que j'ai posée tout à l'heure. Où est-ce que je vais là? Monsieur, on a un S, non? Après Q3. Vu qu'on a fait réduction ASB. Où est-ce que je vais? Je vais dans Q4 une fois de plus. D'accord? Parce que s'il me dit Q3, ok, c'est une règle dans Q4. D'accord? Pourquoi je prends Q3? Parce que c'est marqué Q3 avant le S. C'est là. Donc, là, ce Q3, quand est-ce qu'il est arrivé sur la pile? Il est arrivé sur la pile il y a longtemps. Au tout début, à la première transition, j'ai empilé Q3. Il y a longtemps que j'ai empilé Q3. Je l'ai empilé à l'étape 1 de ma simulation d'automata pile. Je m'en sers à l'étape 2, 3, 4, 5. Vous voyez. J'ai vraiment utilisé la pile. J'ai empilé l'état et je m'en sers. Finalement, il se peut que je m'en serve arbitrairement plus tard. Longtemps plus tard. D'accord. Il se pourrait que je m'en serve encore 15 000 itérations plus tard. C'est ce qui se passe en vrai, d'accord. Si vous avez au lieu d'avoir AABB, vous avez AABBBBBBBBB, l'état que vous avez empilé à l'état Q1, il va intervenir beaucoup plus tard, puisque vous avez empilé plein de A avant, d'accord. C'est quand vous avez dépilé tous ces trucs-là qu'il va finalement sortir de la pile. Donc, vous voyez, on se sert vraiment de la pile. On empile des trucs dessus qui servent beaucoup plus tard. Et ce qu'on empile, c'est ça qui est super drôle, c'est qu'on empile des états. Donc, c'est ça que je souhaiterais que vous preniez conscience, l'ombre d'un instant. C'est que le vrai automate qui manipule cette pile, ce n'est pas celui-là.
C'est un automate marguerite aussi qu'on utilise. Mais il est très subtil, cet automate. C'est un automate marguerite avec un seul état, toujours le même état. Parce qu'il fait toujours le même algorithme, cet automate, d'accord ? Il fait toujours le même algorithme. Il dépile les états de la pile. Il consulte en interne cet automate, mais en interne seulement. D'accord ? C'est-à-dire qu'il en fait, il a une chier d'état. Il fait tout un boulot, mais toujours le même boulot, d'accord ? C'est toujours le même boulot qu'il fait, d'accord ? Il n'est pas tout à fait marguerite parce qu'en fait, il fait un gros boulot où il dépile un état, il regarde en interne ce truc-là, il remplit un état, mais après, il revient toujours sur le même état, d'accord, finalement. Il boucle, il effectue une boucle. C'est dans le cours automate que j'appelle l'automate super magique, qui manipule les états, il manipule un automate. Voilà, ça peut se comprendre, je pense. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je pense que c'est quand même assez clair. Voilà. Donc, je vous parle de ça parce que je souhaite que vous ayez une compréhension, que vous compreniez ce que vous fassiez. C'est ça que je trouve qui me satisfait, moi, en tant que prof, que mes étudiants comprennent ce qu'ils font, parce que je trouve que voilà, ce serait pas être gentil, ce serait pas être correct avec vous de juste vous enseigner des recettes de cuisine, d'accord ? Il s'agit que vous compreniez un peu ce que vous faites quand même. Ok, donc je suis allé dans l'état. J'ai fait comme tout à l'heure, j'ai empilé l'état Q4, je suis dans Q4, d'accord. Je continue dans Q4. Donc, il me dit, je vais faire une lecture tout à l'heure dans Q5. Non, je n'ai pas écrit ma réduction. Ça, c'est une, j'ai fait la réduction H-A-H-B. Là, je fais Shift 5. D'accord, donc je vais empiler une fois de plus le même truc que tout à l'heure, gamma 0 A, gamma 0 Q0 A Q3 S Q4 B Q5, et là je vais refaire la réduction comme tout à l'heure, S slash A S B, d'accord, je vais redépiler tout, mais cette fois-ci, l'état qui va apparaître, c'est celui qui était carrément là au tout début, c'est Q0, d'accord. Et comme c'est Q0, quand je vais empiler S, je ne vais pas repartir de Q3, je vais repartir de Q0. Et donc, je vais arriver dans l'état Q1. Je vais arriver dans l'état Q4. Voilà. Quand je remplace A, S, B par S, je vais dans l'état Q1. Là, je change. Donc là, je n'ai plus que le dièse. D'accord. Ça tombe bien que j'ai changé parce que j'ai un dièse, d'accord, et dans l'état Q1 sur le dièse, d'accord, là j'ai succès. L'action, en fait, succès, c'est une action. Il y a trois actions possibles, les actions de lecture, réduction, puis l'action succès qui dit, ben mon gars, t'as fini, c'est bravo, t'as terminé. D'accord. Ok. Monsieur Camara. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on reconsidère la question que vous avez tout à l'heure, ou vous l'aviez oubliée, ou Oui, en fait, c'était juste pour comprendre comment on lève l'ambiguïté, sinon le reste, c'est compris. Alors voilà, alors oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on lève l'ambiguïté ? Ben, en regardant le prochain caractère, et on voit ici que tantôt, quand c'est A, on fait le shift 3, puis quand c'est B, on fait la réduction. D'accord ? Le dièse aussi, on fait la réduction. Là, on va faire une réduction, mais on ne la fait pas parce qu'on s'en branle, on sait qu'on a fini, d'accord. Mais là, toutes les fois, on a lu A, on a fait un le shift, là, parce que c'était un A. Ici, on a fait un shift. Ici aussi, on a fait shift 3. Parce que pour en fait, j'ai compris le mécanisme, mais c'était juste pour comprendre comment on est arrivé là à dire que pour faire A, on fait juste le shift, on ne fait pas de réduction. On considère le prochain caractère. Là, c'est ce qui est écrit là, c'est les prochains caractères. Dièse AB. Les prochains caractères possibles. On décide en fonction des prochains caractères. Donc là, le prochain caractère, c'est un A. On fait un shift. Puis là, ça devient un. Dans Q3. Donc, mais là, ça devient un. Donc, c'est les états qui posent problème, c'est Q3. Donc là, ça devient un B. Donc là, c'est un A, on fait un shift. Marqué là. Hein. Mais là, c'est un B. Là, c'est un A, on fait le shift. Là, c'est un B, on fait la réduction. D'accord. C'est bon à ce niveau. Là, c'est pareil. Comment vous dites ?
Je dis, c'est bon à ce niveau, c'était juste pour comprendre. On a calculé suivant de S, on a trouvé que c'était B et dièse. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à dire que pour A, on ne fait plus de réduction, c'est ça? Oui. C'était ça que je voulais comprendre. Et dans quel cas on aurait fait du coup une lecture pour A? Alors, on fait une lecture pour A. S'il y a un A, ça c'est toujours vrai. Vous ne pouvez lire un machin que s'il est là, sinon vous ne pouvez pas le lire, vous comprenez? Non, moi j'ai. Oui, mais attendez, j'explique. Vous me posez la question, dans quel cas vous lisez un A? Ce que vous avez oublié, c'est que quand vous lisez un A, vous lisez un A. Il faut qu'il soit là, le A, pour le lire. C'est ça que vous ne pensez pas, c'est le truc tout bête, d'accord? Comme vous êtes un peu, comment dire, apeuré par tous ces trucs-là, et vous avez oublié le truc tout simple, qu'on est en train de lire le mot, et que le prochain caractère, c'est celui qui sera lu si on lit quelque chose. Donc, pour pouvoir lire un A, il faut qu'il y ait un A, c'est tout. C'est pour ça qu'on écrit la lecture du A juste dans la colonne du A, d'accord? Parce qu'on veut lire un A, on écrit les chiffres 3 parce que c'est l'état où on va. Mais quand on lit un A, on lit un A, d'accord? On ne l'écrit pas ici, lecture de A, parce qu'on l'a écrit, on l'a mis dans la colonne du A, ce serait redondant. Vous voyez, on peut écrire shift A3, mais c'est un peu con parce que le A, il est déjà là, d'accord? Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas l'impression là que. Moi, j'avoue qu'en fait, tout était bien clair et c'est vraiment cette histoire de lever l'ambiguïté qui, en fait, tout d'un coup, ça, la deuxième explication m'a un peu troublé. Dans quel cas on va enlever l'ambiguïté en se disant qu'avec A, on va faire juste une lecture et dans quel cas on se dit, tiens, on va faire juste une réduction. Non, je réexplique encore, ouais, mais c'est un truc qui est important à comprendre, donc je vais bien encore réexpliquer. Hein. Dans quel cas, voilà. Dans l'automate LR0 que j'ai barré, on fait la lecture de toute façon que s'il y a le truc qu'on veut lire qui est là. On considère le truc, la prochaine lettre. Si on fait une lecture, cette prochaine lettre, c'est précisément ce qu'on veut lire. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Clos, je crois? Oui. Oui, vous êtes d'accord que si on fait une lecture, on la fera, la lecture de A, on la fera juste dans la colonne de A, puisque justement, cette colonne représente les actions associées, les actions à faire si. Si on a une prochaine lettre. C'est ça. Donc, si on lit A, il faut l'écrire dans la colonne A. Il faut déjà comprendre ça, d'accord? C'est le premier truc à comprendre. C'est clair pour tout le monde, ça? Oui. OK. Alors maintenant, les réductions. Dans la première version d'automate qu'on considère l'automate LR0, qui est le plus simple, et ben, le 0 indique précisément qu'on considère pas le caractère d'avance. Quand on lit finalement, de toute façon, quoi qu'il y a à lire. Hein. L'action lire, elle lit. Quoi. On ne considère pas le caractère d'avance. En particulier pour la réduction, surtout pour la réduction. Donc, quand j'ai une réduction à faire, finalement, je dois la mettre dans toutes les colonnes. Parce que là, quand j'ai une réduction à faire, de toute façon, je m'en tape du mot à lire. Je n'ai pas, j'ai pas, comme dans le cas de la lecture, une lettre à lire qui doit être sur le mot. Non, je n'ai rien là. Je ne m'occupe pas du mot. Il ne bouge pas le mot. Hein. Vous voyez, quand je fais des réductions, le mot bébé dièse, il reste bébé dièse. Je ne considère pas le B qui est là. Et quand je fais ma réduction, quoi qu'il arrive, SPC epsilon. Dans automate, LR0. C'est ça que j'écris SPC epsilon dans toutes les colonnes. Parce que je m'en tape du prochain caractère à lire. Je fais la réduction quoi qu'il arrive. S'il y a une réduction à faire dans l'automate LR0, et bien ça génère des conflits. Ça génère des conflits dès l'instant où il y a une action lire possible. Parce que dans la colonne de cette action lire, on va aussi écrire la réduction. D'accord? Parce que c'est epsilon, parce que c'est epsilon. Là, il n'y a pas de conflit parce qu'il n'y a rien à lire. Mais dans ces états-là, il y a un truc à lire. Donc, il y aura un conflit. Maintenant, si on veut préciser les choses, alors le premier truc à faire, c'est de considérer l'analyse SR2A. On va en voir un plus compliqué dans un instant. Hein. Alors, on met un petit A ici pour dire, ah ben, à ce coup-là, on va quand même considérer le prochain caractère à lire. Mais dans un cas précis, d'une façon limitée. D'accord? Avec la remarque que j'ai faite qui est que lorsque on concatène la pile avec le mot, comme par exemple ici, AASB. Alors ici, ASB. D'accord? Ici, quand on concatène ça avec le mot, eh bien, on obtient un état de la dérivation. D'accord?
C'est une déviation droite à l'envers. Les états de la pile, c'est les déviations droites à l'envers. Quand là, vous lisez une déviation S, flèche ASB, flèche AASBB, flèche etc. Oui, c'est une déviation droite à l'envers. Quand on va aller haut en partant de la droite, de la fin. Donc, pile plus mot égale état de dérivation. Alors, quand on remarque ça, alors on comprend que quand on réduit, comme ici, le nœud terminal vers lequel on réduit, S, eh bien, la prochaine lettre du mot, là ici c'est dièse, ici c'est B, va appartenir à son suivant. Oui, c'est celui-là, A, A, S, B. Vous voyez que le B, il appartient au suivant de S. Il suit S, parce que A, A, S, B, B, c'est une dérivation possible. Le B suit le S. C'est un peu difficile à comprendre. Bon. Donc, en regardant les suivants, on peut restreindre les cas où on fait la réduction et lever le conflit. Voilà. C'est plus clair, monsieur Claude ? Eh bien, un petit peu plus clair, merci. Ce n'est pas encore une maîtrise absolue de la chose. Hein. Ah, il faut le faire soi-même, il faut faire l'exemple soi-même. Hein. Une fois qu'on a fait l'exemple soi-même, ça va, ça coule après. Mais il faut le faire. Hein. Si vous ne faites pas l'exemple tout seul, à la limite, vraiment tout seul, je pense. Hein. On va faire un TD encore 2-3, mais Il y a une question de Nathan Mansour sur le chat. Ah oui, je regarde. Donc, si je reviens à la 1, l'exécution acceptante de l'R0 qui est non déterministe. Oui, c'est une. Ça déterminise, ça lève les conflits, ça déterminise des cas. Sur cet exemple-là, ça lève une certaine catégorie de conflits. Ouais. C'est la 2. L'exécution acceptante, c'est pas très bien dit. Il faut voir, c'est que. SLR 2.1 désigne un automate et une grammaire, d'accord ? Ça, c'est la table SLR 2.1, c'est la table de l'automate SLR 2.1, la table en vert, d'accord ? Je l'ai réécrit, ça, c'est la table SLR 2.1. Je vais l'écrire aussi, d'accord ? C'est un autre automate, c'est la table. Table de l'automate. SLR2A. D'accord, c'est ça. C'est pas la même table. Donc, en fait, moi, à l'examen, je demande à écrire juste les lignes où il y a conflit. Celle-là elle n'est pas intéressante, il n'y a pas de conflit, celle-là non plus. D'accord, ces deux lignes, elles sont intéressantes. Mais là, j'ai merdé. Hein. Je ne suis pas très bon prof. Hein. Après toutes ces années, je n'ai pas fait beaucoup de progrès. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. D'accord. Donc, voilà. Donc, on voit bien que dans chaque case, il n'y a qu'un seul truc possible. Donc, la grammaire, l'automate SLR de 1. Bon, je vais écrire ça. Je vais écrire tout ce raisonnement, que ce soit clair. Je continue mes explications en haut là. D'accord. Dans chaque ligne, dans chaque case, hein, c'est l'action. Une seule action. D'accord, donc, pas de conflit. Donc, la grammaire est quoi ? Ben, le même nom, SLR2A. Le SLR2A, ça désigne un automate et une grammaire. L'automate LR0 n'a pas de conflit, la grammaire est... Et quoi ? C'est l'heure de 1. Si l'automate LR0 n'a pas de conflit. Déterministe. LR0. La grammaire est LR0. Ah. Si l'automate SLR de 1 n'a pas de conflit, la grammaire est. SLR de 1. Ce que j'ai écrit là à l'instant. D'accord ? La terminologie LR0, SLR de 1 désigne les automates et aussi les grammaires. D'accord ? Ça veut dire que la table SLR de 1 peut avoir des conflits ?
Non, c'est juste des terminologies de grammaire, d'accord? Dans le cours, j'ai dit que vous avez l'ensemble des grammaires donc LR2-1 qui est les grammaires qui utilisent le prochain caractère le mieux possible. Dedans, vous avez les grammaires SLR2-1. Je suis mal barré. Vous avez les grammaires LR0 qui sont les grammaires pour lesquelles l'automate LR0 va marcher. D'accord. Et puis, Et puis, il y a un ensemble plus grand de grammaires qui est les grammaires SLR2-1 pour lesquelles l'automate SLR2-1 va marcher. C'est clair, si l'automate SLR2-1 marche, l'automate LR0 il marche aussi, d'accord? Donc, c'est un ensemble plus grand de grammaires. D'accord? Grammaire SLR2-1 inclut les grammaires LR0. Monsieur? Oui. C'est-à-dire que là, si on doit faire un résumé, on a la grammaire de départ. À partir de cette grammaire-là, on doit faire l'automate. Une fois qu'on a l'automate, on fait la table LR0 et s'il y a des conflits SLR2-1. Oui, et ensuite, on fait la pile, le mot et l'action. Et on conduit l'analyse pour bien se... Voilà. Pour bien se comprendre que ça fonctionne. Ouais. Oui, c'est un bon résumé, je vous remercie un peu plus. Donc, pour finir cet exemple de grammaire, je vais vous donner la hiérarchie de grammaire que vous l'ayez un peu en tête. Donc, il y a LR0, ça c'est des grammaires assez particulières. Il y a SLR2-1 qui fonctionne mieux. D'accord. Et puis après, on a LR2-1 qui est encore plus puissant. L'ensemble des grammaires LR2-1 est encore plus grand. D'accord. Parce qu'en fait, là, on tire parti au maximum du prochain caractère. On peut faire au maximum. D'accord, dans LR2-1. On va dessiner l'automate LR2-1, je vais vous l'introduire au maximum du prochain caractère. D'accord. Du caractère, j'appelais toujours le caractère d'avance. Je vais l'appeler ce caractère. Le caractère d'avance. D'accord. Mais seulement, il est gros. Donc, celui-là, ça représente le mécanisme le plus avancé qu'on peut utiliser si on veut pouvoir conduire l'analyse syntaxique avec le plus de grammaire possible. C'est le plus gros ensemble de grammaire pour lesquels on est en mesure de conduire l'analyse syntaxique. C'est les grammaires LR2-1, d'accord? D'accord. Donc, on se dit, bah tiens, c'est celui-là qu'on va considérer comme ça. Quand on va vouloir analyser un langage de programmation donné, on sera assez sûr qu'il va tomber dedans. D'accord, parce que c'est le plus gros ensemble qu'on considère. D'accord. Il se peut que ça ne marche pas avec SLR2-1, mais avec LR2-1, ça a marché. Allons-y. Mais est-ce que c'est cet ensemble d'automates qui est. Est-ce que c'est cet ensemble de grammaire qui est considéré dans la vraie vie? Non. Non, ce n'est pas cet ensemble-là. C'est un autre ensemble qui s'appelle LALR2-1, qui est entre les deux. C'est celui-là que on considère dans les compilateurs. D'accord. Donc, ça s'appelle LALR2-1. C'est le vrai truc qui est considéré dans la vraie vie. C'est intermédiaire entre SLR2-1 et LR2-1. Je vais vous introduire tout ça, mais je vous mets un peu l'eau à la bouche. D'accord, là, en ce moment, je suis en train de vous mettre l'eau à la bouche. Je suis en train de motiver le bout de cours que je vais vous faire maintenant. D'accord. Voilà, donc on a vu le mécanisme LR0, on dit oh putain, c'est compliqué, on rebondit, tout ça. Après, on va essayer de dire oh là là, c'est encore plus compliqué, il faut considérer les suivants d'un certain nombre de terminal avec quand on réduit, tout ça, on fait répéter, tu sais, oh putain, monsieur, ça, on dessine des tables, oh là là, bon ben ça va se compliquer encore plus, hein. Je vous préviens. Mais l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura vu des trucs plus compliqués, quand on va revenir sur SLR2, on va dire ah, c'est facile SLR2 par rapport à ça. Chaque fois qu'on monte d'un niveau. Le niveau d'avant vous semble facile, sinon c'est ça aussi qui est pas mal dans cette histoire-là, d'accord?
Alors, un dernier mot avant que je, enfin, avant que je m'entraîne dans le dans la suite du cours là, qui est pas très longue. Je souhaite quand même vous dire une chose importante. Ben, c'est que il y a des grammaires aussi qui sont LL de 1. Alors, je pense qu'elles sont transversales comme ça. Non, je sais pas. Je crois que c'est comme ça. Ça, c'est des grammaires LL de 1. C'est inclus dans LR de 1. D'accord. Donc, ça veut dire que... qu'est-ce qu'une grammaire LL1? C'est une grammaire qui marche pour l'analyse descendante, d'accord, pour l'analyse descendante que vous avez vu l'an dernier. Donc, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, ça montre que quand on considère quand même le caractère d'avance, on est plus fort. Donc, l'analyse descendante, l'analyse descendante est moins forte. Le inclus, ça signifie que c'est moins fort, moins puissant que l'analyse a priori, d'accord. C'est-à-dire que si vous faites un langage de programmation, il y en a qui font ça, il y en a plein qui font ça, c'est le sujet de recherche en particulier au LRI qui s'appelle maintenant le LISN. Il y a beaucoup de gens qui designent des nouveaux langages, c'est un sujet de recherche toujours très chaud. Il faut qu'ils fassent des grammaires pour leur langage. Mais ils ont préféré faire un LR2A qu'un LL2A, et c'est pour ça qu'on a choisi ça, c'est parce que c'est plus puissant. Donc, il y a la chance que leur grammaire soit LR2A. Si elle est LL2A, elle serait LR2A. Donc, autant considérer qu'elle est plus puissante. Leur grammaire ne sera peut-être pas LL1, mais elle sera peut-être LR1. C'est mieux de considérer qu'elle est plus puissante. Mais en vrai, ce n'est pas tout à fait ça qu'on considère, puisqu'en fait, il y a quand même des grammaires qui sont LR de 1 mais qui ne sont pas LALR, qui sont LL de 1 mais qui ne sont pas LALR de 1, d'accord, celle-là. Là ici on a des grammaires qui sont LL de 1 mais pas LALR de 1, d'accord. Donc c'est quand même pas tout à fait pareil. C'est que c'est pas, voilà, on a juste inclusion là, on a LL1 inclus dans LR2, mais par contre, d'accord, on n'a pas LL2 inclus dans LALR2. Enfin bon, c'est juste pour que vous sachiez. Bon, est-ce que avant, là maintenant, je vais donc faire les grammaires LR2 et les grammaires LALR2. Je vais faire ces deux grammaires. Avant ça, un dernier tour de table. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis dit que je revienne là-dessus, là, ce que je viens de faire, ou ça va? Alors, pour reprendre ce qu'a dit M. Hamza, hein, voilà la démarche typique de ce que vous devez faire, savoir faire, c'est à partir d'une grammaire, construire l'automate LR0, identifier les états où il y a des conflits, résoudre ces conflits avec l'automate en considérant le suivant, d'accord, que vous allez mettre. Dessiner la table pour les états où il y a conflit, état 0 et état 3, et montrer que les conflits sont résolus dans la table automatique de 1. Et après, utiliser cette table pour effectivement réussir une analyse. D'accord ? Ça, c'est vraiment le truc sympa à faire, hein, cette étape-là. Bah oui, parce qu'on s'est fait chier à construire un automate, ça prend du temps, bah on a envie d'utiliser, quoi. J'ai une question sur la table gauche. Quand on fait la réduction S qui donne AS B ou c'est ASS si j'ai du mal à lire exactement ici, comment on sait qu'après il faut aller vers Q4 qui est en rouge? Voilà, en lisant la partie droite de la table, en utilisant la pile, c'est là qu'on utilise la pile. On commence par effacer tout le membre droit, on le dépile, d'accord, donc on vire tout ça. Là, je reconnais A, S, B, je reconnais l'endroit droit. Donc, je vire tout ça. Mmh. D'accord, il reste Q3. Je empile le long terminal membre gauche, S, Q3S, Q3S,
Q3S, Q3S, Q4. Oh! Q3S, Q4. Ok, parfait. Merci beaucoup. Q4. Bon, c'est bon, je passe à la suite là ou encore une question? Moi, c'est juste pour le Q5. On a fait réduction de S/ASB parce que on sait que dans les suivants de S, on a B et dièse. Donc, on fait. Oui, on sait qu'il y a dièse aussi. Ouais. Ok, on d'accord. Vu qu'il n'y a pas A, ben, on ne fait pas S/ASB dans Q5. De toute façon, dans Q5, on ne peut faire qu'une réduction. Il n'y a pas de conflit. Donc. S'il y avait un A, l'automate SLR de 1 nous arrête tout de suite. L'automate SLR 0 ne nous arrête pas. Il dit, vas-y, fais ta réduction, mon gars. Tu vas te planter, mais je m'en fous. Enfin, il n'est pas en mesure de prévoir qu'on va se planter, d'accord ? Mais l'automate, dans ce cas-là, l'automate SLR de 1, lui, il dit, non, là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire quoi qu'on ne peut rien faire ? C'est-à-dire que s'il y a un A, il y a une erreur quelque part, d'accord ? Il le sait déjà à ce niveau-là, d'accord ? Alors, s'il y a un A, ça voudrait dire en fait qu'on a un mot de la forme A, A, B, A. D'accord ? A, A, B, A, ben, ce n'est pas dans A, N, B, N. D'accord ? Ça, c'est le mot qui... Ça me donne une idée d'examen, ça, vous voyez ? L'idée d'examen, c'est quoi ? Ben, je donne ce mot-là à reconnaître, je dis « faites-toi un automate » et constatez que ça ne marche pas. Où est-ce que ça ne marche pas, d'accord ? Ça ne marche pas à cet endroit-là parce qu'effectivement, là, on demande de faire une réduction et dans l'automate SR de 1, on voit que ce n'est pas possible de la faire. Ok. Et vu qu'en passant de LR0 à SLR de 1, on a levé le conflit, on dit que A, il ne peut faire que des shift A. Quoi. Dans l'état 3 et dans l'état. Dans pour faire une réduction de S, il faut qu'il y ait un B ou un dièse. Donc dans l'état 5 aussi, il y a une réduction de VRS, d'accord ? Dans l'état 3 et dans l'état 0. Dans l'état 5 aussi, c'est une réduction de base. Là, c'est S et c'est epsilon, donc c'est particulièrement sournois. D'accord ? Et là, c'est F/ASB, c'est moins sournois. Ok. Et là, c'est parce que S, c'est le suivant, c'est pour ça qu'on fait que sur B. Enfin, que sur on considère les suivants de S, parce qu'on réduit vers S. D'accord. Ok, d'accord. C'est bon. Toujours. Ça, voilà, vous dites d'accord, mais vous n'êtes pas le seul dans la classe, vous voyez ? Je sais très bien qu'il y en a plein qui n'ont pas encore plus ce truc-là, mais c'est pas grave. Ouais, il faut le faire. Ça demande une qualité de concentration qui n'est pas évidente à avoir, surtout en distanciel. D'accord, donc, même en présentiel, de toute façon, ce n'est pas évident. Voilà, il faut le faire. Bon, bah, c'est cool. Vous voyez, on fait le cours tranquillement. Hein. Je me suis calmé pendant le week-end. Là. J'ai fait un stage de méditation, ça m'a rendu plus tranquille. Je speed moins vite. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai dû vous faire un peu peur. Je suis un peu trop vite. Je vais diminuer mes ambitions en matière de volume de cours. C'est quand même plus agréable pour vous d'avoir quelque chose que vous pouvez suivre. Ok, je vais passer à la suite. Allez, je fasse tout ça. C'est bon, je passe à la suite. Il me reste un quart d'heure. Regarde, je passe à la suite. La semaine prochaine, j'ai commandé un nouveau tableau blanc en émail, un truc super... de meilleure qualité que ça. J'aurai deux tableaux blancs. Alors, les grammaires LR de 1, donc j'ai commencé à vous expliquer hein, le topo hein, LR de 1, LR de 1. Accrochez-vous, on démarre. Alors, l'automate, le cas LR de 1, général. Ça, c'est le 14.7. Général. Bon, alors, on va considérer des items LR de 1. Les items qu'on considérait tout à l'heure, c'était des items LR 0, d'accord, LR 0, c'était règle plus point,
C'est tout. D'accord. Maintenant, on considère les items LR1. C'est quoi un item LR1? C'est une règle, comme tout à l'heure, plus un point, comme tout à l'heure, plus des lettres minuscules. J'écris mettre minuscule pour. Bon, en fait, c'est des terminaux, hein, bien sûr. Mais mettre minuscule, je trouve ça plus parlant que les terminaux. Donc, voilà. Donc, c'est un item LR0 plus des lettres minuscules. On va considérer des lettres minuscules dans l'item lui-même, d'accord? Et elles prédisent. Et elles font quoi, ces lettres minuscules, en fait? Elles prédisent le. Ouais, on pourrait dire prédire. Attends, je me pose la question de quel est le verbe qu'il faudrait que j'utilise. Ouais, je veux dire prédire. Prédisent. Prédisent le caractère d'avance. D'accord, c'est-à-dire que ça va de façon plus précise qu'on faisait jusqu'à maintenant, d'accord. Prédisent le caractère d'avance de façon plus précise que la CLR2. De façon plus précise que SLR2A. D'accord. Pourquoi de façon plus précise? Parce que ça tient compte de l'historique. Tient compte de l'historique des dérivations. Donc, tient compte de ce qui s'est passé vraiment, de l'historique. De l'historique, l'historique de dérivation. Bon, ça fait une phrase un peu longue que vous ne comprenez pas trop. J'en suis bien conscient. Mais elle va faire bon. Je pense qu'elle va faire comme son chemin dans votre tête. Donc, l'item LR de 1, c'est un item LR de 0 avec des lettres minuscules. Mais comment est-ce qu'on les calcule? Alors, au moment de rebondir, il faut trimballer des lettres. D'accord? Quand on écrit. Le premier item, déjà on a des lettres, c'est quoi la lettre? Ben, au départ, quand on écrit quand on écrit le nouvel axiome, le caractère qu'on attend après, c'est le dièse. Ça, c'est le prochain truc, d'accord? Premier truc. Donc c'est comme l'item R0, pour calculer ces ensembles d'items, en fait, il faut le calcul de proche en proche. Donc, comment ça veut dire c'est quoi le premier item? Et après, on va dire comment est-ce qu'on rebondit pour propager ces items? On rebondit comment? Eh bien, on rebondit si on a une règle N flèche alpha point X bêta. Donc, un point avant un X, il faut rebondir, parce que le point est avant un terminal. Et qu'on a des prochains caractères prédits B. Alors, pour toute règle X flèche point gamma, pour tout A appartient à premier de bêta B. C'est compliqué. Oui, parce que on considère premier. Alors, je vais écrire ça. Je vais écrire tout ça en haut. Ça, c'est le truc à retenir, si vous voulez le retenir. C'est ce que moi, je retiens. Je le retiens à moitié, parce que chaque année, je suis obligé de le relire quand même. Mais c'est le truc, c'est la clé du truc. D'accord, premier de bêta B. Voilà. On a le bêta qui est là. Vous voyez qu'il suit X là quand même. Hein. On peut passer par cette règle que si bêta suit X. Mais si bêta suit X, ce n'est pas B qui suit X, c'est bêta. Donc plus tard,
si je rebondis, c'est parce que plus tard, il y aura la réduction à faire. C'est ça qu'il faut imaginer aussi, d'accord? Donc, plus tard, je pourrais réduire, quand je voudrais réduire x plus gamma, eh bien, ce n'est pas b que j'attendrai, c'est bêta b, d'accord? En vrai. C'est pour ça qu'il faut se considérer premier de bêta b, et non pas juste b. D'accord? Enfin, non pas juste suivant de x. Ce n'est pas suivant de x, c'est premier de bêta b. Bêta b, il suit x, c'est vrai. C'est vrai qu'il suit x. Mais il y en a d'autres qui suivent x. Là, c'est bêta qui doit suivre x, bêta b. Parce que si bêta est nul, ça va être b. Mais si bêta se nullifie, ça va être b. Mais si bêta ne se nullifie pas, ça sera autre chose. Ça dépend de ce qu'il y a dans bêta, d'accord? Donc, pour tout à l'heure, la partie après bêta b, ce que je n'ai pas dit, excusez-moi, je vais trop vite. D'accord, on ajoute l'item. On ajoute l'item. Donc, x flèche point gamma A. Donc, ça, c'est la règle de rebondissement LR1. D'accord. On va l'appliquer sur un exemple que je vais traiter en vert. Je vais traiter juste l'exemple, il me reste 10 minutes. Là. Donc, on considère une grammaire. Alors, à partir du moment où on rentre dans les mécanismes plus sophistiqués pour lever les conflits, ça devient des grammaires un peu bizarres. C'est des grammaires. On va voir une grammaire qui est un peu bizarre parce qu'en fait, elle illustre une grammaire qui est LR de 1, mais pas LLR de 1. D'accord ? Donc, on va une grammaire. LR de 1, mais pas LR de, pas LLR de, LR de 1. Mais pas LLR de 1. Donc, on va expliquer le principe de LR de 1 sur une grammaire. D'accord ? Donc, mais je ne l'écris pas parce qu'il y a déjà suffisamment d'informations là pour vous avec ça et ça. Donc, je vais juste définir ça sur l'exemple. Ce sera... Donc, voici la grammaire qu'on considère. On considère cette grammaire. S flèche point x ou bien E crochet. Bien F parenthèse. Je vais écrire ça au maximum. Ou bien E crochet, ou bien F parenthèse. Après, j'ai X qui serait écrit en F, ou bien E parenthèse fermante. Alors, E parenthèse fermante, F. E parenthèse fermante, ou bien F. Et après, j'ai E qui serait écrit en A, F qui serait écrit en A. Et finalement, A qui serait écrit en epsilon. OK, ma grammaire. Donc, l'alphabet, c'est les parenthèses ouvrantes et fermantes, les crochets ouvrants et les fermants, d'accord, l'alphabet, c'est parenthèses... et crochet. Alors, je vais dessiner notre maths LR de 1. Donc, je commence par le premier, par l'état 0. Et, par la règle S' flèche point S et j'attends un dièse après le S. Après le S. Enfin, même pas là. C'est une règle un peu particulière. Je ne cherche pas à la comprendre. Ensuite, je vais rebondir sur le S. Je vais écrire, comme je faisais avant, je vais écrire S flèche. Je réécris toutes les règles qui commencent par S. S flèche. Point x s flèche point e crochet
S flèche point F parenthèse. D'accord? Et j'écris premier de bêta B. Bêta, c'est epsilon parce que S, il termine au même endroit. D'accord? Donc bêta, ici, c'est epsilon. S, il n'y a rien après le S. D'accord? Ça veut dire que je vais réécrire B intégralement. D'accord? Si je vais réécrire B, c'est le prochain caractère que je prédisais déjà. Le caractère qui va suivre pour appliquer cette réduction plus tard, ce sera juste, pour aller dans l'autre sens, c'est dièse qui va suivre S. D'accord? C'est les suivants prédits de S. C'est dièse. Il n'y a pas d'embrouille là. C'est comme tout à l'heure. À la limite, on pourrait ne pas le marquer. D'accord? LR de 1 n'apporte rien à ce niveau-là. Là où il va apporter quelque chose, c'est quand on va arrondir sur E et sur F. Pourquoi? Parce que là, il y a un bêta. Là, bêta, c'est crochet. Là, c'est bêta, c'est parenthèse. Le E, il ne finit pas le membre droit, le F non plus. Donc, on voit qu'après le E, il y a un caractère suivant prédit, le crochet fermant ici. Et là, c'est la parenthèse. Donc, quand je rebondis sur le E, je réécris toutes les règles par E. Il y en a qu'une, en fait, c'est E flèche A. Donc, j'écris E flèche point A. Mais là, je n'écris pas dièse, j'écris premier de bêta dièse, et bêta, il ne se nullifie pas. Donc, j'écris crochet. Le prochain caractère, c'est crochet. D'accord? Bon, je ne mets pas la virgule, ça vous confuse. Hein. Disons, vous voyez bien que j'ai deux trucs, d'accord? J'ai la règle et la lettre. J'ai des lettres en plus, c'est des un item. Je cherche à prédire la prochaine lettre. Et quand je rebondis sur F, pareil, j'ai un bêta qui n'est pas nul ici. Donc, premier de bêta B, c'est premier de parenthèse fermante dièse, et bien ça fait parenthèse fermante. Là, je considère premier de parenthèse fermante dièse. Alors, juste une parenthèse. Vous dites, ah oui, mais monsieur, pourquoi vous écrivez ça comme les premiers qu'on a déjà vus avec les suivants? Moi, parce que là, c'est une parenthèse, mais il se pourrait qu'ici, j'ai un nom de terminal X. Dans ce cas-là, je considérerais premier de X dièse. Il faudrait que je fasse vraiment un calcul. Alors, j'ai calculé les premiers de X, d'accord? Pour simplifier, j'ai juste les premiers d'un terminal. C'est un peu ridicule, si vous voulez. Hein. Ah oui, les premiers d'un mot qui commence par une lettre, c'est cette lettre-là, d'accord? Donc, ici, on va avoir F flèche A, point A, et le caractère prédit, ça va être la parenthèse. Ah oui, sur cet exemple-là, déjà, dans cet état-là, si on n'avait pas considéré les suivants, ici, on aurait deux réductions. Quand on va transitionner sur A, on va avancer en même temps sur le E, en même temps sur le A, d'accord? Donc, on aura E flèche A point et F flèche A point. Ah, j'ai oublié de rebondir sur le A, là, d'accord? Quand je rebondis sur le A, j'ai A flèche epsilon. Et là, ce coup-là, il faut sélectionner deux, d'accord? Parce que je vais pouvoir rebondir par là ou par là. Donc, j'aurai un ensemble de lettres, j'aurai plus juste une lettre, j'aurai le crochet ou le. Mais monsieur, le epsilon, vous le laissez? Ok. Vous l'enlevez, l'epsilon? Oui, non, je l'enlève. Je l'ai mis juste comme une phase de compréhension intermédiaire. Est-ce qu'il y a des conflits là-dedans? Non, il n'y a pas de conflit, parce qu'il n'y a que sur le texte qui peut être réduit. Non, il n'y a pas de conflit parce que là, on lit une parenthèse ouvrante. Et là, c'est une parenthèse fermante. D'accord. Donc, on peut lire une parenthèse, mais c'est pas grave parce que les suivants, c'est parenthèse fermante. D'accord. Donc, l'automatisme LR de 1, là, ici, il lève le conflit. D'accord. Bon, alors, si je fais la transition par A, je vais ici avoir E flèche A point et je garde. Je garde mon caractère suivant. Est-ce que j'ai un conflit là? Ben non, j'ai pas de conflit. J'ai deux réductions possibles. Le suivant, ici, mon suivant prédit, je ferai cette réduction là que si mon prochain caractère c'est un crochet et là que si c'est une parenthèse. D'accord? Alors que si je faisais juste avec SLR de 1, ça ne marcherait probablement pas. D'accord? Parce que suivant de E. Euh...
Bon, je ne vais pas le faire, parce que je ne l'ai pas fait à l'avance. Mais... De toute façon, si ça se trouve, ça marche aussi avec accélère de 1 à ce moment-là. Je pense que suivant de E, ça se limite à crochet fermant. Là. Ouais. Ah non? Non, non. Non, suivant de E, il y a aussi parenthèse ouvrante. D'accord, parenthèse fermant. Et suivant de F, j'ai oublié un truc là, comme je suis un peu mongol, là, j'ai oublié ici, X slash F, j'ai oublié le crochet fermé. Donc, si on calcule le suivant, en fait, suivant de E est égal à, je vais écrire là, suivant de E est égal à, crochet fermant, parenthèse fermant, d'accord, est égal, qui est aussi égal à suivant de F. D'accord. Donc, suivant de E, suivant de F ne permet pas de départager ces deux réductions, E flèche A, F flèche A. Donc, on a un conflit. Ici, on a un conflit non résolu à SLR de 1. D'accord. Mais qui est résolu avec LR de 1. Conflit SLR de 1 entre réduction E flèche A et réduction F flèche A. Mais qui est résolu par LR de 1, d'accord ? Résolu en LR de 1. Résolu en LR de 1. Par LR de 1. Par LR de 1. Donc, vous voyez que là, on a monté d'un cran dans notre finesse d'analyse. Parce qu'on s'est trimballé un symbole, on sait qu'en fait, quand on arrive à cette réduction-là, on a suivi un certain parcours dans le mot et qu'on est passé par un chemin différent et que donc on peut regarder le suivant pour savoir si on va réduire par E ou par A, par F. Si on va réduire vers E ou vers F. D'accord. Si c'est un crochet fermant le prochain caractère, on va réduire vers E. Si c'est une parenthèse, on va réduire vers E. Donc déjà là, vous voyez que la R de 1 permet une analyse plus fine. Putain, je suis déjà à 10h30. Alors maintenant, je vais rapidement terminer l'histoire du LA et LR de 1. D'accord. Alors, ça se passe quand on lit la parenthèse. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai S flèche, parenthèse ouvrante, X, parenthèse ouvrante, point X. Donc, je vais rebondir sur le X. Le X, il fait ces deux trucs, le X. E parenthèse fermant, F crochet ferme. D'accord? Donc, je vais avoir. J'ai toujours. Le dièse. Il était là. D'accord. J'ai juste avancé mon point. Je n'ai pas fait dans mon point. Les caractères suivants, ça se modifie quand on rebondit. Donc, je vais avoir les deux règles qui commencent par X. X flèche point E, parenthèse fermante. X flèche point F, crochet fermant. D'accord. Et quand je vais rebondir sur le E, je vais avoir E flèche A. Mais là, je vais avoir parenthèse ici. Dans le prochain caractère prédit, tandis que pour le F, je vais avoir X flèche, non, mais A flèche, F flèche A, F flèche A, point A, mais crochet. C'est le contraire de tout à l'heure. Avant, j'avais le crochet sur A et la parenthèse, le crochet pour E, la parenthèse pour F. Là, j'ai la parenthèse pour E, le crochet pour F. Vous voyez, l'exemple a été manufacturé pour obtenir le contraire. D'accord ? Ce qui fait que quand je vais transitionner par A, comme j'ai fait tout à l'heure, d'accord, je vais avoir un état avec les deux règles suivantes. E flèche A point avec la parenthèse. Et la E flèche et F flèche A point. Avec le crochet. Il n'y a toujours pas de conflit à l'heure de 1. D'accord. En fait, oui, parce que le grand R de caractère suivant permet de départager. Si on réduit vers E ou vers F. Excusez-moi, je suis un peu brouillon. D'accord. Bon, je vais réécrire ça. J'ai fini là. Hein. J'en ai marre de vous laisser. E flèche A point, parenthèse, F flèche A point. Crochet.
Je veux pas confier à l'R1. En fait, on peut voir qu'il y a pas de... c'est une grammaire à l'R2 1 parce que c'est une grammaire en fait à l'L2 1 et ça, c'est aussi d'avoir. Je ne vais pas le faire, il faudra faire l'analyse à l'L1 que j'ai fait l'an dernier en pile. Hein. Mais en fait, c'était un des sujets sur lesquels je m'étais noté en pile, c'est de savoir prédire si une grammaire est analysable avec si, des, si on peut faire une analyse syntaxique avec l'analyse descendante. Et on peut le faire, ça c'est facile à voir, il suffit de regarder tous les membres droits. Donc on peut se faisant démontrer qu'elle est à l'air de 1 sans se faire chier à construire que cet automate est infâme. D'accord, elle est à l'air de 1, on peut le démontrer en regardant si elle est LL de 1. On peut essayer de démontrer en construisant l'automate. Elle est LL de 1. Par contre, elle ne sait pas elle est à l'air de 1. D'accord, c'est une grammaire qui est LR de 1, mais pas elle est à l'air de 1. Alors pourquoi? Ben c'est quoi LLR de 1? LLR de 1 s'obtient, c'est là où je voulais introduire, d'accord, la définition est difficile à comprendre, c'est pour ça que je vais l'illustrer sur... Je peux effacer ça. Par contre, elle est facile à... Sur un exemple, on la comprend très facilement. D'accord, LLR de 1 égale LR de 1. D'accord. En fusionnant les états qui ont même structure à l'air de 1. En fusionnant les états qui ont même structure à l'air 0. Alors, effectivement, quand on lit ça, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Alors, pourquoi on fait ça? Ben on fait ça parce que ça va être, ça prend moins de mémoire, c'est plus efficace. On ne perd pas beaucoup de puissance et ça prend beaucoup moins de mémoire. Moins de mémoire. Économise la mémoire. Et bon, moins de mémoire. Je me calme. Moins de. L'automate LR de 1 mousse, il fait beaucoup l'état. Celui-là, il prend. Donc, hop. Même structure LR0, c'est-à-dire si on oublie les lettres, on obtient E flèche à point, F flèche à point. Mais là aussi. On obtient E flèche à point, F flèche à point. Donc ces deux états, ils ont même structure à l'air 0. C'est-à-dire que si on prend les 1 item et qu'on vire les lettres qu'on a trimballées soigneusement, eh ben, c'est les mêmes états. Eh ben, on va les fusionner, ces deux états. Ça se fusionne bien. D'accord? Ça se fusionne bien. Il suffit de faire des ensembles de lettres, on va dire. Là, j'ai E flèche à point crochet. Là, j'ai E flèche à point parenthèse. Je vais écrire E flèche à point. Ben, crochet, parenthèse, mais deux lettres, je considère les deux lettres ensemble. De toute façon, on a des ensembles de lettres. Mais pareil pour le F. Là, j'ai F flèche à point, parenthèse. Là, j'ai F flèche à point, crochet. Ben, je les mets ensemble. OK? Ça me permet d'économiser la mémoire. Du coup, j'aurai moins d'état. Parce que j'en ai fusionné pas mal, d'accord? Pas de bol sur cet automate. Sur cette grammaire. Ça ne marche plus. Il y a un conflit. Merde. Vous voyez, là, du fait que j'ai les mêmes. J'ai les mêmes caractères prédits aussi bien pour la réduction vers E que pour la réduction vers F. Je ne pourrais pas décider entre les deux. Il y aura un conflit entre les deux réductions. D'accord, si j'ai un crochet, je pourrais faire les deux. Et pareil, si j'ai une parenthèse fermée. D'accord, donc, j'ai créé un conflit. En fusionnant, je suis allé trop loin. D'accord, j'ai créé un conflit. Donc, ça montre que cet exemple-là, il est conçu bah, pour montrer que quand même, quand on fait cette fusion d'états, on peut quand même... avoir des grammaires qui ne marchent plus. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que cette grammaire est très exotique, est très ésotérique. Il faut la chercher, la grammaire. Il faut faire exprès pour obtenir ça. En général, ça marche toujours. D'accord, donc, on s'en fout. On fusionne. D'accord, et c'est ce qu'on utilise pour faire une analyse syntaxique en vrai, parce que c'est un compromis. C'est un bon compromis. D'accord, on n'a pas trop d'état dans l'automate. Et on capte toutes les grammaires intéressantes qu'on veut capter. C'est ce qui fonctionne en vrai. D'accord. Parce que là, on a une grammaire, on a considéré que des grammaires très simples. Mais vous avez vu quand on a fait l'exercice sur les vraies grammaires du langage Pascal, que les vraies grammaires sont quand même des dizaines, voire des centaines de règles. Alors après, quand on s'amuse à construire automate, ça fait des automates qui peuvent être vraiment très gros. On veut que ça compile vite. Quand on veut compiler, on veut que ça arrive vite. D'accord. Donc voilà, il faut faire un compromis. Je vous remercie. Vous avez des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Monsieur, par exemple, dans le X en bas, il n'a pas de caractère à prédire?
Enfin, comment on sait quel est le caractère à prédire comme le bah, biais ce triangle-là. Ça commence comme ça, puis après on rebondit comme ça. D'accord, quand j'ai la première de bêta B, donc là, quand je rebondis sur le E, bêta c'est crochet, B c'est dièse, premier de crochet dièse c'est crochet. Parce que le E est suivi par un crochet, quand je rebondis sur le E, je mets le crochet parce que j'irai dans l'autre sens, pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour réduire A vers E, faut qu'il y ait. De par mon historique, il faudra que tu aies un crochet. Ce sera le crochet qui sera dans le suivant de E. Il faut que ce soit le crochet dans le suivant. Pas n'importe quel suivant. Pas la parenthèse, juste le crochet. Ça veut dire qu'en bas à droite, il faut écrire le dièse aussi, non? Pour l'X. Non, parce que le premier de crochet dièse, c'est juste crochet, c'est pas dièse. Dièse, il vient après. Non, dans l'état en bas à droite. L'état, complètement. Ici, on a deux X, mais ça veut dire que X, c'est. Enfin, pour S, on a X, bêta, c'est epsilon, et B, c'est dièse. Et le premier de epsilon et dièse, c'est dièse, non? Donc, pour les deux X, on doit mettre... Enfin, je ne suis pas sûr, en fait. Je n'ai pas trop compris. Oui, vous avez raison. Je n'ai pas écrit. Là, c'est dièse, il faut mettre. OK. Je ne l'ai pas écrit parce que j'étais polarisé sur arriver là. Mais là, je n'ai pas écrit les items. Vous avez raison. Et on a mis dièse parce que le bêta, c'était epsilon, quoi. Oui. OK. OK. Ben, merci. Ben, merci à vous de m'avoir corrigé un peu plus. Ouf. Une question, juste comme ça. C'est possible de dézoomer et qu'on voit le tableau dans son ensemble? Il faut que je le tienne. Oui, il faut que je le tienne. À tenir le téléphone. J'ai installé un système là avec un bras là qui pivote là au-dessus de mon truc. Ça, je pose ça sur le bras et puis. Mais si c'est mon téléphone, ouais, vous pouvez dézoomer. Ouais. Parce que, parce que c'est pratique d'avoir tout le tableau d'un coup quand même. Mais il vaudrait mieux qu'il soit là mon téléphone. Ouais, il serait mieux là mon téléphone en fait. Hein. Franchement, dans l'absolu, ouais, je pense. Hein. Ouais, bah, je peux essayer de. Oui, c'est vrai, putain, c'est vachement mieux ici, vous avez raison. Faut que je refasse un trou dans le mur là, puis que je m'installe mon écart plus haut là. C'est un peu ouais, je vais tard, installer mon écart ici, ouais. Je refais un trou là, puis j'installe mon. Ouais, c'est vrai. Hein. Bah, ce qui se passait, c'est qu'avant, j'ai fait une transition, parce qu'avant, en fait, j'écrivais sur des feuilles. Mmh. Donc, on voyait toutes les feuilles. Et puis, je suis passé au tableau blanc, et puis maintenant, en fait, il n'est plus adapté mon système. Ça fait un péché, j'ai déjà fait des trous là. Il faut faire des trous là, maintenant il faut faire des trous ici. Quoi. Mais c'est la table sinon. Non, bah non, ça pas là. Ouais, j'ai une table qui monte et qui descend. Non, mais j'ai une table qui monte et qui descend en plus, hein, effectivement. Mais bon, ouais. Mais bah, c'est une bonne remarque. Ouais. Je vais voir si je fais un trou parce qu'il ne reste plus que quelques cours, mais en même temps, pourquoi pas. Oui, vous avez raison, je n'ai pas pensé à ça, c'est très con. Ouais. Là, on verrait. Puis je peux même le mettre carrément ici puis avoir un super gros tableau blanc. Quoi. Pourquoi pas. Ouais. Ouais, bon. Ah oui, dans ces cas-là, j'aurais même pas besoin de faire un trou. J'ai qu'à poser mon téléphone ici, puis voilà. Ah. Ah. C'est bien, hein. C'est mal. Bah oui. Ah, merci. Vous arrivez à lire là? Enfin, c'est pas non, là, c'est trop distant. Comment? C'est trop distant là. Hein. Ouais. Parce que vous avez un petit écran en plus de ça. Certains ont juste un téléphone. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont juste un téléphone portable? Non. Voilà, je suis sur mon ordinateur là, mais c'est un peu distant. Oui, c'est un peu distant. Il faudrait que je. Bon, je vais réfléchir. Merci. Ok, bon, on va faire une petite pause quand même avant le télé. Je vous dis, je fais un stop de cette affaire là.